Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis en présence du petit frère. Salut les gars. Et là on est prêt, on est chaud parce qu'on est avec nos 225YZ dans un spot magnifique, dans un spot absolument géant avec plein de grimpettes. Je me suis dit, allez, je vais me refaire une dernière sortie dans la terre, dans la saleté, avant de monter vraiment cette moto en supermote. Et puis bah, comme c'est un spot qui connaît assez symbolique, donc maintenant on va voir ce que c'est avec tous les deux les mêmes motos. Pas d'excuses. Moi j'ai une excuse déjà. Moi j'ai l'excuse du pneu parce que rouler sur le bitume ça use le pneu, donc dans la terre et tout c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai ma petite excuse pour aujourd'hui. C'est bien, tu vois, il commence déjà avec les petites excuses. Ce qui est énorme, c'est qu'on a tous les deux les mêmes motos. Alors on n'a pas le même pneu arrière. C'est vrai que là pour le coup il a mangé un peu plus de bitume de son côté. Belle petite sortie enduro entre frères avec nos 225YZ. On est parti. 10 000 euros de cadeaux, 40 lots, 40 gagnants. Il y en a qui vont passer un très très bon Noël. Je vous avais dit qu'on vous régalerait en fin d'année. En plus, il y en a déjà qui sont d'office participants. Je vous explique ça en 30 secondes. En tout cas, sachez qu'à partir de la sortie de cette vidéo, c'est le début du Black Friday Supermote. Ce qui veut dire que sur supermote.fr, vous allez retrouver les plus grosses promos de l'année, jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Donc ceux qui veulent faire les cadeaux de Noël, ceux qui veulent avoir des tarifs réduits, c'est le moment. Allez faire un tour sur supermote.fr, surtout qu'on vous sort une toute nouvelle collection dès maintenant. Tu vois qu'en termes de lot, on n'a pas blagué. Hein. Le tout dernier iMac 2022, on a de la Xbox Series X, de la Xbox Series S, casque de réalité virtuelle, Nintendo Switch, des Lego de fou, c'est-à-dire un Bowser, une M1000 RR, une Ferrari, bref, un intercom, un drone, un pack vidéo, des cartes cadeaux Amazon. On a plus de 5 cartes Amazon d'une valeur de 150 euros chacune. Vous retrouverez toute la liste complète des 40 lots sur supermote.fr, sur la page concours Noël. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour valider une commande de 30 euros ou plus sur supermode.fr. Cette commande de 30 euros vous rendra automatiquement participant pour un de ces 40 lots. Sachez que toutes les personnes qui ont acheté un calendrier de l'Avent sont d'office participantes. Dès le lendemain, le 19 décembre, c'est un huissier de justice qui s'occupe de faire le tirage au sort des 40 gagnants, qui va vous attribuer les 40 lots. Et puis surtout nous, le 20 décembre, on vous annonce les gagnants, on vous expédie au plus vite vos cadeaux pour vous faire passer un Noël de fou, pour vous remercier pour cette année de dingue. Ça va être incroyable. Tout est réexpliqué sur supermode.fr, la liste des lots, comment participer, le grand concours. En attendant, je vous dis, excellente vidéo. On est parti pour la petite balade enduro entre frères. Oh, ça descend quand même. Ouais, ça descend quand même. J'ai l'impression que ça mène dans des grosses flaques. Eh non, il y a la forêt. On roule doucement dans la flaque. Fais gaffe. Fais gaffe. Ah, je pense pas que c'est profond, gros. Mais oui, c'est sûr, tu vois pas que c'est là où ça stagne. Ouais, c'est profond, hein. Oh.
T'es monté dans la poussière ou quoi? Oh non, oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Bah oui. Ça c'était que la petite mise en jambe. Tu vois qu'il me tente des trucs acrobatiques, des fois il tente des trucs, on sait pas trop pourquoi. Là on va se diriger maintenant vers The Grimpette. La Grimpette, la seule, l'unique. La grosse. La grosse. Elle a pas de nom en fait, tout simplement. Mais c'est celle sur laquelle il a appris. Celle avec laquelle il a réussi au bout de 3 essais, je crois, avec mon 2,50. Mmh. Donc c'était assez impressionnant, je pense, du haut de tes 14-15 ans. On va voir si maintenant ça va un peu mieux. On est parti direct. En 125, là, du coup, je pense que ça devrait être plus dur. Je te mens pas. Avec le 2,50, on utilisait le bas régime. Avec le 500 aussi. Avec le 500 aussi, voilà. Tu sens que les 125 là, elles ont qu'une envie, c'est de marcher dans les tours, forcément. Bien sûr, c'est pas des enduros. Mais ça nous empêche pas, comme je dis à chaque fois, c'est de kiffer à deux, de kiffer avec exactement les deux mêmes motos. Quand il y en a un qui n'arrive pas, il peut conseiller l'autre et inversement. On est reparti vers The Grimpette, la grande, comme on l'appelle. On va juste bien tout droit. Au calme, hein. Moi j'ai pas peur, hein, de toute façon. Les descentes. Ah ouais, elle est raide, hein. Pouah. Ah ouais. C'est chaud en 125. Oh hein. Mon sac, il s'en va. Putain, t'avais monté ça. Ah ouais, t'es chaud. Ouais, j'étais chaud, encore. Là, je vais en chier, là. Ah, oh, c'est gravillonneux. En fait, le problème, c'est que là, je descends tout seul, en gros. Wow. Si tu vas pas à 200% sur la prise d'élan, tu n'y arriveras pas. Faut que tu lui mettes tarif. J'ai pas envie de niquer ma moto. Alors si t'as pas envie de la faire, ne la fais pas, c'est une autre. Faut y aller à 200% sur la prise d'élan. Gaz en grand, gaz en grand. Eh ouais, mon pote. Ah, le bâtard, il a pris ses chiens dessus 2 secondes plus tôt. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Ah, il fait des sens. Eh, l'adrénaline, gros. La dose d'adrénaline, c'est incroyable. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. Dégage, bah, tu fais quoi? Tu crois que tu vas réussir à faire un petit comme ça ou quoi? Ah ouais, 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 ouais. Tu crois merde. Que tu veux... Putain, mais il fait chier lui, hein. C'est bon, oh, stop là. Je suis ton grand frère. Oh, t'es mort. Oh, t'es mort. Attends, je passe le tronc d'arbre. Aïe aïe aïe, la moto m'a tapé dans le cul. Ma moto elle coule, gros. Mon plat est vide. Attends. Ah. Allez, gaz, 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 encore. David. Un,
2, 3. Ça fatigue vraiment l'enduro. Hein. Ah ouais, mon pneu il est vraiment mort. Ça commence à balancer des excuses par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en haut là. Le soleil, un spot incroyable où on peut vraiment exploiter les 125. Que demander de plus? Entre frères, besoin de rien de plus, moi perso. Ah ouais, non, vraiment, ça régale. La moto elle chasse de partout, elle glisse tout le temps. Non, franchement, je kiffe. En fait, ce que je kiffe, c'est avec une même moto l'emmener partout. C'est, ouais. Parce qu'on avait fait la première sortie, on avait fait de la vraie boue, de la vraie gadoue. Là, ici, c'est un terrain qui est beaucoup plus sec, mais beaucoup plus. C'est gravillonneux, c'est que de la petite caillasse, tu vois. Ouais, c'est ça, mais tu l'emmènes où tu veux. Ouais. Et puis, je trouve qu'avec cette moto, en fait, tu fais ce que tu veux avec. Ça forme bien aussi, tu vois. Parce que toutes ces choses-là, quand je le faisais en 250 en enduro, ça pardonnait constamment, tu vois. Mm. Alors que là, du coup, c'est-à-dire le jour où tu refais même ça avec un vrai enduro, ça t'a formé les petits coups de sirène de l'embrayage pour relancer et tout, tu vois. Non, en tout cas, réel kiff et. Ouais. On repart rouler ou quoi? On repart rouler, allez. On repart se faire plaisir, c'est énorme. C'est parti. Incroyable, magnifique. Mmh, à ma guise. Pas trop bien. À ma guise. Je te vois galérer, ça me fait plaisir. Y'a que moi qui galère depuis le début, là, c'est un peu à ton tour. Une belle balade. Ce fut une excellente balade, une vidéo où une fois de plus on a montré qui était le meilleur, c'est-à-dire le grand frère qui apprend tout au petit frère. Non, en vrai, on s'est régalé avec chacun la même moto, chacun ses défauts, ses qualités. Une fois de plus, voilà, je suis content quand même de te montrer qu'avec l'expérience, je reste quand même au-dessus de toi. Ah, la rivalité entre petit frère et grand frère, je vous jure, c'est trop. Mais ce qui est bien, c'est quand cette rivalité, elle est positive comme ça. Elle t'aide à progresser, tu vois. Tout à l'heure, il y avait une grimpette, t'avais pas envie de la faire. Juste parce que je l'ai fait, c'était hors de question que tu l'essayes pas. C'était la grosse, non? Voilà dans quel état se retrouvent les motos en fin de balade. On s'est régalé. Une fois de plus, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Mal aux bras, mal aux cuisses, transpiré et tout, mais c'était trop bien. Je vous dis à très très vite pour plein de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ciao.